Bonjour à tous. Donc nous, notre talk portera sur la vie privée et la sécurité sur Windows 10. Donc le talk est en français et les slides seront en anglais pour les anglophones. Donc rapidement, on va se présenter. Voilà. Donc moi, c'est Thomas, j'ai 22 ans. Donc je suis étudiant à l'ESIA. Je suis sport recherche au laboratoire depuis plusieurs années. Je suis actuellement en stage chez une jeune start-up Screen dans le centre de Paris. Donc bonjour à tous, moi c'est Paul, comme Thomas, étudiant à l'ESUA Laval, étudiant-chercheur au laboratoire CVO. Je reviens d'un stage de 2 mois en Italie dans le laboratoire Next Lab. Et puis éventuellement, si vous voulez une bière après le talk, je suis pas contre. Donc le laboratoire CVO, c'est pour cryptologie et virologie opérationnelle. Il est localisé donc à l'ESIA Laval. On a été dirigé tout au long de notre année par Eric Filliol, donc directeur du laboratoire, ainsi que Baptiste David, qui est ingénieur de recherche associé au laboratoire. Donc le but du projet, en fait, il est né après la release de la bêta publique de Windows 10, donc comme vous pouvez voir la date ici, octobre 2014. On a pu lire sur internet beaucoup de choses, comme quoi il était extrêmement intrusif, et la présence d'un entre guillemets keylogger. L'année dernière, donc au mois de juillet, on a eu la release officielle de Windows 10 et on s'est dit que tout ce qui était dit sur internet, ça avait l'air assez dangereux, mais on n'avait aucune preuve pour l'affirmer. Donc la présence d'un keylogger, le fait qu'il enregistre la caméra, le microphone, qu'il collecte des données comme ça. Et donc le but du projet, c'est de protéger la vie privée des gens si c'est nécessaire. Une quote rapide d'Edward Snowden qui dit que, en gros, si vous dites que vous n'avez rien à faire de la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher, c'est un peu comme dire que vous en fichez la liberté de parole parce que vous n'avez rien à dire. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, c'est que notre projet, donc c'est un projet scolaire qui a été réalisé en partenariat avec le laboratoire CVO et le SUA. Le stand est juste là, si jamais vous voulez y aller. Donc, les objectifs du projet, c'est de vérifier que ce qui était dit sur Internet était vrai ou non, de déterminer le taux d'intrusivité de Windows 10 dans la vie privée des utilisateurs et de donner aux gens des preuves qu'ils puissent reproduire, contrairement à ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui sur Internet. Et s'il s'avère que Windows 10 est en effet intrusif, trouver une solution et analyser celles qui sont déjà proposées. Donc, les non-objectives, notre projet ne consiste pas en un reverse du noyau Windows, puisque c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Et ce n'est pas non plus un projet professionnel, puisque comme on vous l'a dit, c'est un projet scolaire. Thomas, bon, ça on peut passer. Thomas, je te laisse parler de ça. Donc, pour commencer notre analyse, on a commencé par chercher quels étaient les droits de Microsoft sur nos données. Donc, on a commencé par lire les petites lignes que généralement on lit pas parce qu'elles sont plutôt ennuyantes. C'est souvent un texte qui est plutôt long et dans un vocabulaire assez verbeux qu'on a du mal à comprendre. Donc, hop, en commençant, donc on trouve pas mal de petites perles. Donc, le but, c'était de savoir si Windows pouvait nous espionner ou non, et en fait, on se rend compte que c'est un peu le cas. Donc, on peut commencer déjà par cette phrase qu'on a trouvée. Donc, enfin, on peut accéder à vos données personnelles, incluant le contenu de vos mails, aussi bien de votre OneDrive, si de bonne foi il est nécessaire de le faire. Donc là, bah, bonne foi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc on peut imaginer un peu tout ce qu'ils peuvent faire derrière ce mot. Hop, et là. Donc ensuite on a fait un peu un état des lieux de tout ce qui pouvait être récupéré. Donc ça va jusque donc vos noms et vos contacts, tous vos passwords, toutes vos informations sur votre machine, votre localisation et aussi votre contenu. Donc on a découvert beaucoup de choses. Donc faut savoir que bah, afin de gagner de l'argent, Windows 10 est gratuit, donc on peut se demander qui est le produit. Et derrière, bah, je pense que le produit, c'est peut-être un peu nous, puisque toutes nos données personnelles bah, sont vendues à des fins de publicité. Donc bien sûr, lorsqu'on installe un Windows 10, on a un identifiant publicitaire sur notre machine. Alors ça a été beaucoup relevé dans les articles, et du coup, il y a le vice-président de Microsoft qui a sorti que bah, non, ils ne touchaient pas du tout au contenu d'email. Or, on peut voir que dans leurs conditions, bah, peut-être qu'ils y touchent pas, mais ils ont totalement le droit de le faire par contre. Donc Windows ne cache pas du tout ce qu'il peut faire. Dès l'installation, on a accès à toutes les informations. Il y a plein de petits liens où on a de la doc. Ils ne cachent absolument pas qu'ils peuvent accéder à nos données, même à notre caméra, vraiment tout. Et il est d'ailleurs possible
petit plus de Windows 10 de désactiver certains des services qui sont plutôt intrusifs. Donc c'est possible directement lors de l'installation, mais c'est aussi possible directement sur votre Windows à partir du menu des paramètres. Donc nous, ce qu'on a commencé par faire, évidemment, c'est qu'on a tout décoché et on s'est dit qu'est-ce qui sort encore de notre machine. Donc c'est là qu'on est parti sur une analyse réseau, parce que déjà c'est pas trop compliqué. Et s'il y a quelque chose qui doit sortir, c'est un peu la porte principale. Et on pouvait sauvegarder tout le flux. Mais malheureusement, il y a beaucoup de données qui peuvent rester totalement incompréhensibles. Donc ce qu'on a découvert, donc Windows 10 essaye de se connecter à beaucoup de serveurs. Et par exemple, on a relevé plus de 600 000 paquets qui sont envoyés différents à Microsoft. Et la plupart sont quand même chiffrés en SSL TLS. Donc je laisse la place à Paul. Donc comme on vous l'a dit, le problème du SSL TLS, c'est que c'est censé être un flux chiffré, donc indéchiffrable pour nous. Il y a certains cas où le SSL peut être compromis. Je ne vais pas aller en détail, mais c'est le principe de MITM SSL, donc Attack Man in the Middle ou Proxy Forwarding, dans des termes un peu plus légaux, on va dire. Ce qui nous permet d'accéder aux données en clair. Donc le MITM SSL, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc on génère un certificat à nous. On l'insère dans la base de confiance de Microsoft. On utilise un outil, donc en l'occurrence on a utilisé SSL Split pour déchiffrer les données. Un schéma rapide, donc vous voyez que la machine de Windows 10 est connectée à un serveur, en l'occurrence un Linux, qui fait tourner SSL Split, qui s'occupe de faire la transition, enfin la passerelle entre Windows 10 et Internet, tout en déchiffrant le flux au passage. Donc le problème, c'est que à l'installation de Windows, notre certificat qu'on a généré n'est pas dans la base de confiance de Microsoft, ce qui devrait rendre justement le déchiffrement des paquets qui sont envoyés impossible. On a cependant relevé qu'il y a potentiellement une méthode pour le faire, parce que Microsoft demande, fait une requête de certificat en clair. On a testé une interception, on a réussi à spoof le début, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout malheureusement. Comme je vous l'ai dit, c'était un projet scolaire, donc il y a d'autres choses à faire à côté aussi. Thomas, c'est toi qui vas prendre cette partie. Donc, afin de savoir si on est connecté à Internet, déjà pour commencer, Windows envoie fait une requête de fichier, donc c'est un NCSI.txt. Donc, c'est un fichier tout simple qui contient juste une chaîne de caractères. C'est généralement une fois que ce fichier est reçu que vous avez la pop-up en bas à droite de votre Windows qui vous dit que vous êtes connecté à Internet. Donc, ça peut être un moyen pour Windows ainsi de savoir quand est-ce que vous êtes connecté à Internet et où. Donc, ce qu'on a relevé, on a essayé de parser un peu tout le réseau, donc on a retrouvé beaucoup de hostnames. Pratiquement plus de 80, et beaucoup d'IP directement écrits en dur dans le code. Donc on a quand même vérifié d'où venaient toutes ces IP et toutes ces DNS, voir s'il n'y avait pas des données envoyées sur des serveurs un peu farfelus, et appartiennent à Microsoft Corporation. Donc on a quand même voulu chercher s'il y avait une histoire de keylogger, parce que c'est quand même ce qui faisait polémique lors de la preview. Donc on n'a pas trouvé vraiment de keylogger à proprement parler. Le seul truc qui pourrait s'en rapprocher, mais ça n'en est pas vraiment, c'est la recherche de Cortana, parce que même quand vous voulez chercher par exemple un fichier sur votre PC, lorsque vous utilisez la barre, tout est envoyé sur Internet, parce que derrière vous avez toujours une recherche sur Bing qui est faite. Donc tous les caractères sont envoyés comme vous pouvez le voir là, et du coup c'est vraiment fait pour améliorer l'expérience utilisateur et vous permettre de voir en direct les résultats en avance. Donc on n'en a pas trouvé, mais on sait qu'ils ont quand même le droit de faire. On revient sur la déclaration de vie privée de Microsoft. Donc ils disent qu'ils peuvent quand même accéder à ce que l'on tape, toutes ces données, mais on n'a pas réellement trouvé de keylogger. Néanmoins, on a quand même trouvé des trucs sympathiques. Donc on a trouvé dans ces requêtes qui sont effectuées un identifiant unique qui est associé par personne, qui s'appelle ici le X-Device Machine ID, qui est envoyé à chaque requête qu'on fait via la barre de recherche. Donc c'est ce qu'ils appellent dans leur condition d'utilisation un identifiant publicitaire. Donc il faut noter que c'est quelque chose qui est fait aussi par Google, etc. Pour pouvoir créer de la pub ciblée, contrairement à d'autres moteurs de recherche que je ne citerai pas juste là-bas. Un schéma rapide de notre interception encore. Le problème avec cet identifiant unique qui est censé être un identifiant publicitaire, c'est qu'on le retrouve dans d'autres services, donc le service de télémétrie et le service de diagnostic. Vous pouvez le voir ici, le retrouver. Donc le premier screenshot,
c'est un screenshot d'un contact au service de diagnostic. Et le deuxième screenshot, c'est un contact avec le service de télémétrie, donc qui envoie beaucoup d'informations à propos de votre ordinateur, donc la langue, la version, les dernières mises à jour, la résolution, etc. Donc comme on peut le voir, les données collectées ne sont absolument pas anonymes. Il y a aussi beaucoup de data qui sont encodées en V64, donc ça c'est juste pour pouvoir passer sans trop de problèmes. Donc le problème c'est que même après avoir décodé ces informations, elles restent souvent incompréhensibles, puisque à première vue c'est juste une suite incompréhensible de caractères. Pour en savoir plus, il faudrait pousser la recherche un peu plus loin et reverse le noyau Windows pour voir juste avant la création du paquet ce qui est envoyé à chaque fois. On est aussi tombé sur quelque chose qui nous a posé problème, c'est des flux réseaux qui étaient impénétrables, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas en compte notre manizobidal SSL, et on ne pouvait pas donc voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On s'est renseigné sur Internet et on s'est rendu compte qu'il y a d'autres chercheurs qui ont eu le même problème que nous, et qui, eux, ont contacté Microsoft pour savoir un peu pourquoi ces flux ne pouvaient pas être déchiffrés. On leur a répondu gentiment d'aller voir ailleurs. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a effectivement énormément d'informations qui sortent, qu'elles ne sont pas anonymes, il faut trouver une méthode pour protéger la vie privée des utilisateurs. Donc la première, c'est d'abord de décocher tout ce qui paraît intrusif dans les options. Une autre solution, c'est de bloquer absolument toutes les communications vers les serveurs de Microsoft, mise à jour exclue. Il y a beaucoup d'outils qui existent, j'en cite quelques-uns ici, donc DWS Lite, Windows Privacy Tweaker, etc. On peut se demander s'ils sont toujours sains d'utilisation. On en a pris un, celui qui est le plus utilisé, donc qui s'appelle DWS Lite. Il était open source, le développeur a dit qu'il passerait close source bientôt. Il a l'air sain à première vue, mais on s'est rendu compte qu'en fait il ne l'était pas. Donc DWS Lite, c'est-à-dire Destroy Windows Spying Lite. Ça a été développé par un russe qui s'appelle Noomer, que vous pourrez retrouver sur Twitter. C'est l'outil le plus utilisé, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ce qu'il fait, c'est qu'il bloque la plupart des IP de Microsoft, donc on vous a montré tout à l'heure. Il bloque les noms de domaine de Microsoft via des règles de pare-feu. Il désactive tous les services intrusifs, il désinstalle les mises à jour intrusives, mais il désinstalle aussi d'autres mises à jour. Je ne sais pas si vous voyez très bien là, mais c'est la liste des KB qui sont désinstallés par DWS Lite. Il y en a une petite quinzaine, je dirais. Et donc on les a toutes vérifiées, il y en a quelques-unes qui sont intrusives, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas du tout, et qui étaient des mises à jour de sécurité, qui étaient désinstallées. Donc des mises à jour de sécurité comme du privilege escalation, de l'exploit de navigateur, donc Internet Explorer, Edge. Donc un attaquant pourrait potentiellement prendre le contrôle d'une machine qui aurait utilisé DWS Lite de la manière suivante. Il utilise une première vulnérabilité qui est la MS-1506 pour prendre le contrôle du navigateur. Vulnérabilité contient aussi une manière de bypass AXR, etc. Donc, qui permet de prendre le contrôle total de la machine. Et utiliser une autre vulnérabilité qui est une patchée par DWS Lite qui permet de prendre les droits système sur la machine. On a commencé à travailler sur un proof concept de cette vulnérabilité. Malheureusement, entre les stages à l'étranger et les projets scolaires, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout et quelqu'un a release avant nous, donc ça doit dater du mois de mai. Une méthode d'exploiter la vulnérabilité dans le navigateur et Internet Explorer et Edge, donc qui prouve bel et bien qu'en utilisant DWS Lite, vous vous rendez vulnérable. On a essayé de penser un peu out of the box et de release un proof concept d'une manière un peu différente de se protéger. Je vais laisser Thomas parler de cette partie. Donc beaucoup de services sont quand même plutôt utiles sous Microsoft, où beaucoup de personnes aiment les utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que le bloqueur généralement les frustre un peu et qu'ils ne devaient pas utiliser. Donc nous on a cherché une solution un peu plus marginale. Donc cette solution, donc on s'est d'abord intéressé à Cortana. Cortana, c'est un peu le service le plus intrusif que vous avez sur Windows. Ce service cherche vraiment à connaître tout ce qu'il peut connaître sur vous, vos intérêts, vos favoris, toutes vos recherches sont enregistrées afin de vraiment créer un profil pour avoir une meilleure performance utilisateur, pour qu'elle puisse mieux vous prédire des résultats de recherche, toutes ces choses-là. Tout le monde n'a pas non plus envie que toutes ces données soient envoyées chez Bing. Donc du coup, on a développé un petit software qui, en fait, le but de Corta Spoof, c'est tout simplement, plutôt que de tout bloquer, nous on fait totalement le contraire, on envoie le plus possible de requêtes chez Microsoft, le tout avec des queries qui sont totalement différentes, mais qui sont vraiment assez,
qui vont vraiment être, par exemple, ça va être un dictionnaire, ça va être n'importe quel mot, ça va être parler de pêche ou parler de n'importe quoi, vraiment pour que toutes les données récupérées par Microsoft soient vraiment chaotiques et qu'il n'y ait pas de possibilité de faire un profil précis sur la personne. Et derrière, lorsque l'utilisateur utilisera Cortana, ses données de recherche seront un peu noyées dans la masse. Donc c'est un moyen de rester un minimum anonyme qu'on a trouvé et qui me paraissait plutôt sympa. Donc vous pouvez trouver le projet sur GitHub, sur le repo Corta Spoof. Donc rapidement, on peut faire une petite démo. Vas-y Paul. Hop, vers le haut. Bon, voilà. Voilà, donc c'est tout simple. Hein. Donc ici, on peut choisir directement les trames que l'on souhaite spoofer ou non. On peut changer son machine ID, même si c'est pas trop utile. Le but, c'est quand même de garder le même pour quand même spoofer son propre profil. Pour ceux qui veulent un petit peu troller, il est possible aussi de modifier les valeurs des différents headers qui sont envoyés à Microsoft. Il y en a, vous verrez qu'il y en a tout de même plutôt pas mal. Hop, et ensuite, il suffit de dire qu'on aime Microsoft. Quoi. Tu peux faire juste vers le bas. Juste draguer vers le bas sur mon Debian. Non, encore en haut. Tout en haut, ouais. Et le mot de passe user. Tac. Donc là, on peut voir que, en direct, on peut voir qu'il y a toutes nos trames qui sont envoyées avec des recherches totalement aléatoires. Là, on peut regarder que le gars, il est en train de chercher un truc sur les chevaux. Donc c'est une manière un peu différente de pouvoir utiliser sa machine tout en restant un minimum anonyme. Quoi. Sachant que ça, c'est encore qu'un proof of concept, le but ce serait de quand même l'agrandir sur plusieurs services, histoire de garder plus d'anonymité. Vas-y, ça la presse. Hop, là. Donc ensuite on s'est intéressé qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, tout ce qui était dit à la sortie de Windows. Donc déjà pour commencer, de nous-mêmes on n'a pas trouvé de réel keylogger. On peut avoir que des doutes, parce qu'il y a quand même beaucoup de données qui sortent qu'on n'arrive pas à lire, mais on n'a pas de preuves tangibles et réelles. Il y avait beaucoup de posts qui disaient que tout ce qui était webcam, tout le flux vidéo pouvait être récupéré par Microsoft. On a branché une webcam, on est resté un moment, on l'a laissé allumer peut-être sur notre Windows pendant plusieurs jours et on n'a jamais vu de paquet assez gros pour contenir un flux vidéo. Et c'est pareil pour le microphone, à part si vous utilisez Cortana, parce que là derrière, en fait, quand vous faites une recherche vocale, c'est normal que ce soit envoyé. Quoi. Et donc, dans les données qu'on a envoyées, c'est principalement des petites requêtes avec du retour XML, il n'y a pas de véritable fichier qui est envoyé que nous, on puisse lire. Donc, à propos de la backdoor de Microsoft, vas-y. Donc c'est un sujet qui fait un peu controverse depuis plusieurs années maintenant, donc qui va être à prendre des pincettes dans ce qu'on va présenter. De notre point de vue et de ce qu'on a pu analyser, on n'a pas vu de backdoor à proprement parler. Cependant, il y a certains services qui sont considérés comme des potentiels backdoor. On laisse le choix à tous ceux dans la salle ici de déterminer si en sont ou pas, mais il nous a paru intéressant de parler de ce qui pouvait être considéré ou non comme une backdoor. Il y a un premier cas dont Thomas va parler rapidement. Donc pour commencer, donc le service BitLocker qui est utilisé sur Microsoft, donc encore ça c'est on peut le lire clairement dans leur déclaration de vie privée pour dire qu'ils cachent vraiment pas du tout ce qu'ils font. Donc BitLocker ça permet de chiffrer votre disque ou une partition. Donc le but c'est quand même que personne ne puisse accéder à vos données. Il faut savoir que lorsque vous créez une partition avec BitLocker, il y a automatiquement une clé de sauvegarde qui est envoyée sur votre compte OneDrive. Vous êtes obligé d'avoir un compte Windows pour pouvoir chiffrer votre Windows. Donc comme par hasard, Windows peut accéder à votre OneDrive. Donc c'est un peu la seule réelle backdoor qu'on a lu dans le texte, c'est que si vraiment ils ont envie un jour d'accéder à vos données, même si elles sont chiffrées avec BitLocker, clairement ils ont le mot de passe, donc ils peuvent clairement y accéder. Hop là. Ce qu'on cherche souvent dans une backdoor, c'est une porte ouverte vers l'extérieur, et c'est assez difficile d'en trouver sous Microsoft à proprement parler. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Windows Update, c'est une porte ouverte vers l'extérieur, et qui push des updates qui sont maintenant installés par défaut, sans votre avis, sur Windows 10. Ce qui pourrait être imaginé, c'est une méthode d'envoi de mise à jour différentielle, donc qui serait visée pour un utilisateur en particulier. On s'est aussi un peu penché sur le cas Windows Update, et s'en est rendu compte qu'il n'était pas aussi sûr que ce que les gens pourraient penser. Il y a certaines attaques qui ont été réalisées sur Windows Update qui permettent de push une mise à jour non officielle de Microsoft sur la machine d'utilisateur. Donc vous pourrez y voir ici le lien si vous avez les slides, un talk qui a été présenté l'année dernière. Quelque chose qui fait aussi beaucoup parler de lui, c'est le fait que les vulnérabilités présentes dans Windows seraient des backdoors. Encore une fois, on laisse
chacun déterminer s'en sont ou pas. On a cependant des cas, comme ici un article de Bloomberg qui est basé sur des documents leaks par Edward Snowden, qui montre bien que quand une vulnérabilité va être patchée par Microsoft, la NSA et les US agencies sont prévenus en priorité pour qu'elles puissent notamment patcher leur software, mais il est écrit aussi noir sur blanc qu'elles puissent éventuellement se servir d'attaque, etc. Je vous laisserai lire le document. Et puis il y a aussi des vulnérabilités qui existent depuis plus de 20 ans, donc comme une dont on a entendu parler très récemment, qui a elle aussi eu le droit à un nom, donc Badtunnel, qui a été reporté à Microsoft au mois de janvier, mais qui n'a été patché que très récemment, donc au mois de juin. Donc pour terminer, donc nous, le futur du projet, parce qu'on va peut-être pas s'arrêter là, on va continuer. Donc on aimerait améliorer avec Microsoft. Donc comme je disais tout à l'heure, on aimerait faire le même concept sur plusieurs services. Ensuite, on aimerait continuer, on aimerait développer notre propre solution de blocage. Il en existe des centaines, mais chacun a un peu sa petite spécificité. Et ce qu'on aimerait, c'est rajouter un peu toutes ces spécificités en un seul. Ensuite, on aimerait continuer aussi notre analyse réseau et pourquoi pas commencer directement d'aller chercher directement sur le système, sur OK, pour trouver qu'est-ce que ces blobs. Parce que c'est un peu des choses qu'on ne peut pas du tout vous dire ce que c'est, juste avoir des doutes sur ce que ça peut être. Donc notre opinion, c'est que ça sert à rien non plus de sauter sur sa machine et dire je désinstalle Windows 10, c'est horrible. Il y a des outils, il y a plein de bloqueurs qui se trouvent sur Internet. Si vous désactivez déjà la plupart des services, vous verrez que personne ne pourra réellement lire le flux que vous sortez de votre machine, parce que vous n'aurez pas grand chose. Soyez conscients quand même que toutes vos données sont collectées. Donc c'est comme avec toutes les machines, évitez de faire non plus n'importe quoi. Sachez aussi qu'il existe d'autres OS, il n'y a pas que Windows qui existe, et que certains sont beaucoup plus quand même soucieux de votre vie privée. Donc voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. On a été très contents pour la première fois de faire un talk ici à la Nuit du Hack. Merci de votre écoute, et puis si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou plus tard dans la journée, n'hésitez pas. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, vous dites ne pas avoir trouvé de backdoor, mais elle n'est pas forcément visible. On est d'accord. C'est-à-dire que quand Microsoft annonce qu'il se donne l'autorisation d'accéder à nos données, ce n'est pas forcément de la collecte de masse. C'est simplement une possibilité qui se donne avec des moyens qui ne sont pas forcément visibles. C'est-à-dire quand vous sortez le flux, quand vous essayez de surveiller le flux de sortie, même en laissant la caméra ouverte pendant longtemps, si Microsoft n'a pas activé quelque chose qui peut être en place, qui tourne en background, etc., vous verrez rien. C'est pour ça que ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment par rapport à ce que nous on a trouvé, de ce que nous on a vu, il n'y a pas de backdoor à proprement parler, mais il faut toujours le prendre avec des pincettes, puisque comme on vous l'a dit aussi, dans les conditions d'utilisation, c'est marqué noir sur blanc qu'il y a possibilité de faire cette collecte. Donc en soi, ils peuvent le faire, on n'en a juste pas la preuve exacte. On peut imaginer du coup que, comme vous le dites, c'est pas une collecte de masse, mais que c'est plutôt une collecte utilisateur par utilisateur quand c'est nécessaire. Deuxième petite question sur le logiciel russe que vous avez présenté. Est-ce que c'est quelque chose qui one shot, qui s'installe une fois, qui nettoie et puis qui est plus actif, ou il est en permanence Alors, je ne saurais pas exactement vous répondre, il faut savoir, parce qu'on a oublié de le dire, que sur cet outil, c'est les options par défaut, donc normalement vous cliquez, il désinstalle tous les services. Je ne crois pas qu'il y a possibilité de les réinstaller, mais vous avez possibilité notamment de décocher les updates qui sont désinstallés et celles qui sont justement des updates de sécurité. Mais on peut. C'était la question. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, bonjour. Je vais poser quelques questions. C'est pour l'anniversaire de Windows 10, Microsoft avait sorti les chiffres sur la navigation de Cortana, sur Cortana ou sur Microsoft Edge. Qui connaissait à la minute près la navigation et aussi le nombre de photos visualisées avec l'outil de photos.
Et soit en ça, ça serait pas une preuve qu'il y a une backdoor ou ça... Bah, en fait, ce que je vous disais, qu'on accepte la collecte. Il y a en effet une collecte de masse, donc par le service de télémétrie et les services de diagnostic, et notamment Cortana, etc. On n'a pas pu voir tous les services parce qu'il y en a énormément, mais il y a en effet des services qui récoltent quelles applications Windows vous avez chargées. Il me semble que dans les informations qu'ils avaient données, il y avait le nombre d'heures de jeux joués, etc., le nombre de Windows installés, etc. Donc ils connectent énormément de choses. Ce qu'on n'a pas vu, par exemple, c'est le contenu d'un fichier qui serait uploadé sur un serveur de Microsoft. Mais après, des informations personnelles, oui, de base, si vous ne décochez rien et que vous acceptez tout, il y a énormément d'informations qui leak. La prochaine question, c'était vous. Après, il faut savoir que pour utiliser Cortana, lorsque l'on désactive toutes les options, là, tout ce qui est recherche vocale et tout ce qui peut être utilisé dans les jeux est totalement désactivé. L'utilisation de Cortana, il faut savoir que pour l'utiliser, on est obligé vraiment d'autoriser vraiment la totalité des services de Microsoft. Parce que, bah, par exemple, on enlève la localisation, Cortana ne marche plus. Quoi. C'est vraiment un outil qui veut vraiment en apprendre le plus possible. Il n'y a même pas moyen de lui dire, bah, toi, tu n'auras pas d'accès là-dessus. Si elle n'a pas l'accès, il n'y a pas possibilité de l'utiliser. Quoi. D'autres questions ? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous étiez au courant des rootkits mis en ligne récemment pour Windows. T'es au courant, toi ? Je ne vois pas, par contre. Bon, vous pouvez répéter la question, j'ai pas bien entendu. En fait, j'ai vu que récemment, il y avait un rootkit qui a été mis en ligne, donc en vente, à peu près de $90,000, donc qui permettait de prendre le contrôle de Microsoft Windows, tout simplement. Alors, j'ai pas eu vent de cette information, il faudrait que je vérifie ça, mais non, je sais pas du tout en ce qui concerne ce rootkit. D'autres questions ? Je sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas d'autres questions, j'avais autre chose à dire. Merci infiniment, messieurs, pour cette présentation très intéressante. Vous pouvez les applaudir bien fort.